Mais je crois que la machine à fumer ne marche pas, laissez-moi la regarder. Ah voilà. Vous êtes bien sur le Jarry Show, l'invité est déjà en place, c'est mon ami Boudère. J'y vais. Ça va Boudère? Comment ça? Quel lancement. On a mis à ta taille ou c'est trop haut? Il faut que je m'assieds dedans? Oui. Ah d'accord. Tu sais comme quand t'allais au parc? Ben j'allais pas au parc. T'allais pas au parc? Ben non, il y avait des toxicos dedans. Je pouvais pas y aller. C'est parce qu'il y avait des gens un peu chelous. Il y avait des trolls. C'est... Ça va? Eh hey, mais c'est bien. Sois le bienvenu à la maison. Mais je suis très content. Boudère, je vois, en plus, t'as fait... Vraiment, tu t'es mis en mode gosbo, quoi. Tu t'es dit là... Non, je viens chez mon frère. Je suis pas venu les mains vides. C'est pas vrai? Si, je suis venu les mains vides. Eh, mais c'est bien, chez toi, il y a des balançoires. T'as vu? Il y a un toboggan. Donc, eh ben, il y a tout. Il n'y a pas de toboggan. Si, il y a un toboggan. Il est dans ma loge. Alors, Boudère is back? C'est lui, il est de retour. Et de retour, en tournée? En tournée, à Paris, je joue en ce moment. À Paris, en ce moment, et après, en tournée. Et puis, il y a ce livre que tu m'as offert, que j'ai commencé à lire. Oui. Bah, tu faisais partie des gens. J'ai vraiment voulu que tu lises ce livre-là. Et j'ai appris plein de choses. C'est pas vrai. Bah, c'est l'autobiographie qui s'appelle Un Boudère. Ouais. C'est toi qui as choisi le titre? Ouais. Le titre est arrivé presque naturellement. Parce que je me suis dit qu'il me fallait un fil rouge pour raconter ma vie. Ouais. Et c'était ça, c'était l'air à hier, toutes les heures coupées que j'ai eues dans ma vie, et donc voilà. Tu sais que tu fais partie de ces gens où dès qu'on dit Boudère, tout le monde sait à quoi tu ressembles. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas te confondre avec quelqu'un d'autre. Ah ben j'ai cette chance. Ouais. Imagine, on se ressemblerait tous, ça serait ouf quand même. Pour les crédits, tout ça, comment tu fais? Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est pas vu qu'il ressemble à celui à qui t'a prêté. Non, mais c'est bien. Toi, tu prêtes souvent de l'argent comme ça à des potes. Oui, d'ailleurs, je profite de cette émission pour dire à Karim, Yacine, Benjamin, oui, mon argent. Voilà. Oui, j'ai voulu écrire, je l'ai écrit ce livre pendant le confinement. Voilà, j'avais deux... Ben, j'étais comme toi, j'avais deux façons de faire. Soit je me morfonds et je pleure et je me dis ah, la vie elle est pourrie. Soit je fais des lives, soit j'écris des livres, soit ben, j'écris un livre. Je suis fier de toi mon Boudère. Je suis trop content. J'ai envie aujourd'hui de parler d'un Boudère que je connais plus et que les gens connaissent moins. Ouais. C'est le Boudère. D'abord, dire une chose, qui est, parce qu'il y a beaucoup de bruit qui circule sur toi. Ouais. Comme quoi tu aurais eu une maladie, comme ça, etc. Écoute, dis-le une bonne fois ça pour toutes. Été... Parce mais que oui. Ça commence vraiment écoute, à m'agacer. Dis-le aux gens. Je l'ai dit même sur CNN. Non, c'est pas vrai. Mais, mais je l'ai tellement dit. Hein. Je l'ai dit, tu croyais, je joue bien quand même le mytho. Non, mais c'est, et c'est une des causes aussi, entre guillemets, de pourquoi j'ai écrit ce livre. Ouais. Je me suis dit, parce qu'on me dit, ouais, Boudère, tu écris une autobiographie. T'es qui pour faire une autobiographie? Bah, mon autobiographie, je l'ai écrite pour raconter ma vie, parce que j'en avais marre qu'on la raconte à ma place. On me prêtait des noms de maladies, marteau, l'ami, la chivrirose, la pléquitose. Moi, ça me faisait rire. Ça me faisait rire, parce que je suis un vanneur, j'adore qu'on se foute de moi, j'adore me foutre des gens. Donc voilà, je suis dans l'échange, dans l'autodérision. Ça a commencé à moins me faire rire, Jarry, quand il y a des parents qui ont des enfants qui sont atteints de ces maladies-là et qui commençaient à me joindre dans mes réseaux sociaux, sur Facebook, tout ça, qui me disaient, voilà, mon fils a la même maladie que vous, il a du mal à guérir, comment vous avez fait, vous, pour guérir? Donc là, on n'est plus dans la vanne. Là, c'est compliqué de dire à un papa à un moment ou une maman en détresse, ah mais moi, je suis pas malade, arrêtez de regarder Wikipédia. Donc, il fallait accompagner, il fallait expliquer, il fallait aussi parler à ses enfants qui étaient malades parce qu'ils ne s'acceptaient pas. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre. Et dans mon livre, je vais raconter déjà que je ne suis pas malade, mais que je suis prêt à... que je suis moi et que j'ai la tête que j'ai, que je suis très fier de ressembler à mon grand-oncle qui était docteur avant, qui était un très grand docteur au Maroc, avec les moyens du bord, forcément. Et donc, voilà, j'ai voulu raconter ça. T'es né en 78. Exactement. Été 78. Été 78, dans un petit village au Maroc. Ouais. On peut dire le nom? Ben, il faut. Alors. Bouarfa, à côté de Figuig. Voilà. Voilà, je suis très fier de ce village. Et là, tu rêves et t'as besoin... tu viens assez vite avec ta maman en France. Ouais. Parce que justement, par rapport à un bout d'air, par rapport à l'air, j'arrive au monde. Alors, ma naissance, elle est bizarre parce que ma maman est sur le point d'accoucher. Mais ma maman avait déjà eu un enfant, elle a déjà eu mon grand frère. Et puis, elle est dans une famille où les enfants, on en a, quoi. Quand c'est un accouchement, c'est pas l'événement de l'année. C'est bon.
Et le pire, le truc le, au niveau de timing qui était un peu chiant, c'est qu'elle accouche au moment où il y a la Coupe du Monde de football et le Maroc est qualifié pour la première fois en Coupe du Monde. Donc voilà, tout le monde attend le match. Oui. Donc tout le monde est concentré. Donc quand elle arrive pour accoucher, on lui dit n'accouche pas dans le salon, il y a la télé. On va accoucher à côté, comme ça tu nous fais paillèche, tu vois. Et là, on demande, on appelle le docteur pour qu'il vienne voir un peu comment ça se passe. Docteur du village qui était à l'époque aussi mécanicien et soudeur et placoplâtre du village. Et il arrive, justement, il arrive pour faire vite. Il dit, bon, on va vite le mettre au monde, il y a le match qui va commencer. Sauf que quand j'arrive au monde, il voit un bébé qu'il n'a jamais... Il voit un bébé qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire une forme de bébé qu'il ne connaît pas. Bébé petite taille, petit poumon, qui ne pleure pas parce qu'il a du mal à respirer. Et un bébé, en fait, atteint à cette époque-là d'un asthme très, 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 très prononcé. Prononcé. Sauf qu'on est au Maroc, dans un petit village où il n'y a que trois rues à l'époque, tu vois. Un village de piétons, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et là, il dit à ma maman, écoute, cet enfant, on est en août, il ne passera pas l'hiver. C'est sûr. Parce qu'il a du mal à téter, il a du mal à se nourrir, il a du mal à respirer. Je pense qu'il va décéder le 15 décembre. Il avait la date, le mec. Hein. Et ma maman n'accepte pas ça. Elle prend le car, le taxi, l'avion. En première fois de sa vie, tout ouais. Ça en l'espace de... Par amour. Par amour et pour sauver son fils, quoi. 48 heures. Donc on peut dire que t'es un survivant ? On peut dire quoi ? Je vis ma deuxième vie, là. Est-ce que c'est pour ça que t'es peut-être une des rares personnes qui arrive à nous émouvoir et tout de suite nous faire rire, et nous émouvoir et tout de suite nous faire rire. J'ai l'impression que toi, tu as dit, OK, je vais me prendre des baves dans la gueule, je vais me prendre des coups, mais derrière, je vais vous regarder, j'aurai toujours le sourire. J'ai l'impression que la peine, la tristesse, elle ne peut pas s'afficher sur ton visage. Tu n'as pas les... Tu vois ? J'arrive, je pleure des fois. Je pleure, je me cache pour pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer, par exemple, alors ? À l'injustice, quand on s'attaque à des enfants, quand ce qu'on vit en ce moment, ça me fait pleurer. Je ne suis pas bien, mais je refuse qu'on me voit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut positiver. Parce que je suis en train de vivre ma deuxième vie, là. C'est-à-dire que ma première vie, normalement, s'arrêtait en décembre 78. Et là, on est en 2020. T'imagines un peu le truc ? Donc, je suis en train de vivre ma deuxième vie et je suis en train de kiffer. Et j'ai été éduqué comme ça. Mon papa m'a éduqué comme ça. Ma maman aussi me dit que dans chaque truc négatif, il y a du positif. Qu'est-ce que tu dis aux gens ? Tu sais, quand on a un enfant, on le promène dans le parc, tu as toujours des gens qui viennent voir l'enfant dans le landau et qui disent « Oh, il est mignon et tout ». Tu penses que les gens disaient quoi quand ils te voyaient ? Ah non, moi, j'étais un très beau bébé. Hein. Oh, qu'est-ce que j'étais beau ! C'est à cause des produits Lidl que j'ai pas sur quelqu'un. C'est à cause des faux Danone. Mais c'est vrai. J'étais beau de ouf. Moi, le problème, c'est que le nez l'a poussé, le reste n'a pas suivi. Mais sinon, à part ça, non, mais non. Tu sais, je te l'ai dit l'autre jour, parce qu'on a fait un live Instagram. Ouais. Et tu sais que je le pense. Moi, je te trouve très beau. Mais t'as même pas à me le dire, parce que moi, je le sais. Mais tu vois ? Moi, je le sais. Moi, je suis dans la vanne. J'adore. J'ai le physique que j'ai. J'ai pas un physique atypique. Je suis pas différent. Je suis contre la différence. On est tous pareils. Tu te vois comment ? Tu te vois comment, vieux ? Tu te vois... Alors moi, j'ai cette particularité. Ma tête ne changera pas. Mais là, j'ai 42 piges. Dans 40 ans, j'aurai cette tête. Avec un petit nez qui va tomber un petit peu. Parce que bon, voilà. Non, mais je me vois toujours pareil. Essayer d'être heureux, de rendre heureux les gens qui sont autour de moi. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Quel genre de papa tu es ? Je suis un papa... Je suis à l'image de mon papa. On est dans une famille très, 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 très soudée. Il y a beaucoup d'amour entre nous, vraiment. Il y a des clashs, mais on s'aime à mort. Et mon père prenait toujours... Alors, il ne me tapait pas, il faisait pire que ça. Il me faisait la morale pendant des heures et des heures. C'est pire que taper un enfant. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais tape-moi, il y a un match qui va commencer, là. Mais tu vois, c'était vraiment dans la discussion. Mon fils, je suis beaucoup dans la discussion. C'est pas... On est dans une autre époque. On est dans une époque où il faut parler de tout. Bon, avant, mon père ne parlait pas de sexualité. Il ne parlait pas de sexualité. Ouais. Fou, quoi. Aujourd'hui, non, je suis obligé de parler à mon fils de tout et d'accepter et de respecter les autres pour que les autres te respectent. Et de... je inculque le vivre ensemble. Vraiment, c'est important. Je voulais qu'on parle de quelqu'un d'abord parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que tu as connu, puis j'avais envie qu'on ne l'oublie pas. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je vais te poser la question le concernant. Tu sais de qui je vais parler, d'un de tes premiers producteurs.
C'est pas un producteur, c'est mon père. Voilà, Mousse Diouf. Parce que j'ai envie que les nouvelles générations qui nous regardent aujourd'hui aillent sur Internet taper pour savoir qui c'était, etc. Tu peux nous en dire un petit mot? Qu'est-ce qui t'a apporté? C'était quoi ta relation? Un papa, tu dis? Mousse Diouf, pour ceux qui ne connaissent pas, il est à la tête de beaucoup de choses. Déjà, c'est le premier Français d'origine africaine à la télé. Et Mousse, il est toujours là, il est dans mon cœur, moi, à vie. Et c'est un mec qui m'a... On a besoin d'un mec qui allume la mèche pour ta carrière. Et moi, c'est celui qui a allumé la mèche et qui m'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Tu vois, même quand il était malade et j'étais à son chevet, voilà, je ressentais ce... J'espère qu'il est fier de moi, parce que c'est grâce à lui. Boudère est là, c'est grâce à lui. C'est mou, sinon j'aurais fait autre chose. Quand t'apprends qu'il fait un malaise sur scène... J'étais là. Ah, t'étais là? J'étais là, parce que j'étais avec lui toute la journée. Ah, t'étais là. J'étais avec lui la journée, et le soir, je le quitte, parce que je lui dis, cool, il va se préparer, donc j'y vais. Il était un peu anxieux, parce qu'il revenait sur scène, puis il était un petit peu... stressé, un peu pas bien, parce qu'il se disait, il y a la presse, tu sais comment on est. Oui, oui, je lui dis, écoute, il n'y a que des copains, il n'y a que des gens qui t'aiment dans la salle. T'inquiète pas, moi, je vais rigoler, même si c'est pas drôle, je vais rigoler pendant une heure. Donc, quand on arrive et qu'il commence son spectacle commence, et là, il y a un truc qui ne va pas. Il parle d'une manière très bizarre, les gens pensent qu'il est bourré, tu vois. Moi, je suis étonné, parce que ce n'est pas quelqu'un qui boit, il ne boit pas d'alcool. Je me suis dit, peut-être qu'il s'est mis un petit verre de champagne pour se détendre, mais il n'est pas bien. Et à ce moment-là, le rideau tombe. Moi, on court, je vais dans la loge, je suis accueilli, je dis, Mousse, ça va, t'as bu ou quoi, sale bâtard? Et tu me dis, pour rigoler. Non, j'ai pas bu. Et là, il y a Anthony Cavana qui vient nous voir et qui nous dit, écoutez, je pense qu'il est en train de faire un AVC. Et en fait, il y avait quelqu'un de sa famille, Anthony, qui avait les mêmes symptômes. Et là, quand les pompiers sont arrivés, ça a été son premier AVC. Après, le deuxième coup dur, ça a été quand il est revenu à Paris, il a refait un deuxième AVC, puis là, c'était chaud. Tu penses encore à lui quand tu montes sur scène? Mais tout le temps. Il est là, il est à côté. Il est avec moi. Mon petit Samou. C'est bien de... Mais c'est vrai, quand c'est bien de te voir comme ça, parce que les gens, souvent, ils ont l'impression que t'es arrivé juste parce que t'as une énergie joyeuse, mais c'était pour dire aussi que derrière toi, il y a un gros parcours. Oui. T'as rencontré plein de gens, plein de choses et tout ça. Et que c'est pour ça que des fois, vous qui nous regardez chez vous, ne soyez pas trop pressés. Les choses apprennent du temps. Ça va arriver, c'est écrit. Maktoum. Lounès, très grand chanteur. Oui, c'est écrit, ça doit se faire. Ça doit voilà. Se... Enfin, faites-le pour les bonnes raisons aussi. Bah oui, faites-le pas que pour coucher. Moi, personne n'a voulu coucher. Quand on dit « faut coucher pour réussir », oui, mais personne ne veut coucher avec moi. Ah tiens, d'ailleurs, attends, j'ai une question à te montrer. Une question à me montrer? Ouais, d'un spectateur qui nous a envoyé une question pour toi. Une spectatrice, je te laisse la découvrir. Salut Boudère. Salut. Si on te propose une grosse somme d'argent, est-ce que tu joues dans un porno? Hein? Non, je peux pas. Je suis pas dans ce truc-là. Moi, je dis pas de gros mots dans mes spectacles, j'ai mon fils, je peux pas. Après, je respecte les acteurs et les actrices porno, hein. Je les respecte beaucoup. Mais qui veut s'embrouiller avec personne. D'ailleurs, non, mais c'est vrai. Vous pouvez je vendre 06. Allez, viens, Boudère, on va faire un exercice que t'adores et je suis très content de le faire avec toi. Allez, vas-y. Suis-moi. C'est où, je te suis? Ouais, suis-moi. Mais y a pas de lumière, là. Ah, bonjour et bienvenue sur le Jarry Shop. Alors là, c'est une super idée. Coca-Cola vous propose de mettre votre bonne résolution 2021 sur les canettes. J'adore l'idée. Parce que 2020, ça a été bout de ta vie. J'en peux plus. Alors voici mes résolutions. Et si on s'aimait maintenant? Vous pouvez me joindre au 0661. À toi de trouver la suite. Deuxième résolution. Tire sur mon doigt. C'est con, mais ça me fait rire. On a besoin de rire aussi. Hein. Troisième résolution, plus jamais sans vous. Alors, je sais que tu te dis, mais moi aussi, j'ai envie d'imprimer ma bonne résolution 2021. Eh ben, fais-le. Et puis, soyons fous, offre une canette, peut-être avec un message d'amour, à l'être cher. En attendant, je souhaite une bonne année 2021 et surtout que ça pétille. Ça pique. Je vous aime. Tiens, je vais le rajouter. Je vous aime. Bon, Boudère, c'est le moment. On va faire un truc ensemble tous les deux. On va faire ce qu'on appelle le téléachat. Ah oui. D'accord, je vais te donner des objets et tu as 30 à
secondes à une minute pour nous vendre l'objet. Alors évidemment, pour l'objet initial, mais tu peux aussi en faire complètement autre chose. Bien sûr. Je suis ton assistant dans ces improvisations. Tu as le droit donc de te servir de moi. Alors, premier objet. Bonjour, merci d'être venu. Alors, voilà, une pipette pour les narines. Alors, si vous avez des enfants qui font des bronchiolites à répétition, vous prenez cet instrument. Bien sûr, alors moi, je prie, hein, j'arrive, j'ai pris par rapport à la taille de mes narines. Donc, vous le mettez là, vous pompez, et ça enlève ce qu'on appelle la hanouna. Voilà, donc voilà, ça, c'est pas très cher, hein. Vous en avez pour 485 euros, hein, mais c'est sans le truc. Voilà. Voilà. Et là, si tu le retournes, tu peux chanter « You are the world ». Okay, ça fait karaoké aussi. Voilà. Et « Si maman si, si maman si ». Voilà, donc il n'y a que des chansons tristes quand on le retient. Prochain article, mon cher Jarry, qui, Jarry, vous le connaissez. Hein, deuxième objet. Ah, une antenne Wi-Fi. Alors, antenne Wi-Fi ou tuba. Donc, c'est pas cher, c'est préfabriqué. Là, vous, c'est un truc qui peut vous servir tiens, pour la Wi-Fi. Alors, bien sûr, il faut ouvrir pour que la Wi-Fi marche. Sinon, voilà, là, on éteint la Wi-Fi on-off. Donc, voilà, c'est un truc que vous mettez pas loin d'une télévision et ça captera. Petit saxophone marocain. On peut aussi faire de la musique marocaine. Et toujours en ré mineur. Voilà. Ensuite, prochain article. Alors, prochain article. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça. Ah ! Voilà. Alors, une crise hémorroïdaire. Un problème d'hémorroïdes. Donc voilà. Ah non, ça, c'est un. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah non, 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 je sais. C'est ce que c'est ou pas ? Non, je te jure. Ah, c'est pas pour les taxis, là, quand ils conduisent, non. Ah, c'est des nez. Non, c'est pas des nez. C'est quoi ? C'est un tapis imitation braise à feu. Ah ! C'est pour les mecs qui marchent. Pour les fakirs ? Oui. Mais ils vont voir, les gens, que c'est pas de la braise. C'est pas con, quand même. Ouais, alors, bon, si vous avez des problèmes de vue, hein, c'est un tapis où il y a de la fausse braise. Moi, pour moi, c'est des nez. Après... Ça pourrait être un truc pour se gratter. Ça peut être aussi le résultat de beaucoup de consommation d'Arissa. Dernier objet, monsieur. Ah. Dernier objet, évidemment, du... Ah, du PQ noir. Ah, c'est du PQ noir. Ouais. Ah bah... Ça, voilà, c'est des PQ noirs. C'est, ça cache certaines diarrhées, certaines gastro. T'avais jamais vu ? J'ai jamais vu de PQ noir. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est du PQ noir, ça. Ça coûte cher, ça, hein ? À base de genre, hein ? Ça, je pense que ça coûte cher, ça. Ouais, mais vous pouvez vous fabriquer aussi vous-même. Vous prenez un PQ blanc. Impressionné par le PQ noir. Ouais. Toi, tu le conseillerais de faire aux gens, de faire de l'improvisation, pour quelle raison ? Pour enlever sa timidité. One. Pour pouvoir être dans la rigolade, souvent, deux. Tout le temps. Ensuite, en trois, pour s'accepter comme on est. Trois. C'est très bien l'improvisation pour ça. C'est bien ça. Je te jure. Et aussi quatre, pour arrêter de réfléchir. Ouais. Ça... Ouais. J'ai reçu un appel téléphonique d'un grand parc qui te propose de faire Hatchoum. Hatchoum le nain. Mais tu sais que tu rigoles, mais une fois j'avais passé le casting pour être Astérix au parc Astérix, et c'est la première fois de ma vie qu'on m'a dit cette phrase, tu es trop grand. C'est vrai, il faut faire 1m40 pour être Astérix. Je faisais 1m55. Putain, à 15 cm ça se joue. Non mais je suis sorti, j'étais content d'avoir entendu, tu es trop grand. C'est le seul truc que j'ai retenu de cet entretien d'embauche. Est-ce que tu crois à tout ? Je crois... Oui, je crois. Je suis un croyant, ouais. Je crois, ouais, je crois à plein de trucs. Tu me crois, moi ? Ah bon, toi, je te crois, bien sûr. Alors, suis-moi. Attends, je peux changer ma réponse ? Non. Dans les boules de Jarry. Je te propose d'appuyer sur le bouton D et de vivre une expérience. B ? D. C'est lequel ? Parce que moi, j'ai une cuillère à tocola, ouais. Ah ouais, non, mais arrête, j'arrive, commence pas. Voilà, tiens. Le mec, il a... Ouais. Qu'est-ce que t'es fort pour cacher un paix. Voilà, je suis charmante, s'il vous plaît. Je te propose de te tirer les cartes. Tu savais que je tirais les cartes ou pas? Non, je savais pas. J'en prends combien? T'en prends trois. On va savoir un peu qui était Boudère petit. On va aller voir du côté de ton enfance. Alors, trois. Trois cartes, tu ne les retournes pas, tu me les donnes. Un... 2, 3.
C'est grave, docteur? Non, c'est très très drôle. Ah bon? Ouais. C'est très drôle parce que tu as deux fois les cartes, t'as le roi de coupe, le valet de coupe, d'accord, qui sont des gens qui réussissent, des gens qui gagnent, des gens qui ont des projets et qui entreprennent énormément de choses, d'accord? C'est des gens qui sont assis. Alors le valet, il est en cours de devenir roi et après tu deviens roi. Ouais. Et le roi, quand t'es assis, c'est que t'as réussi. Tu vois, tu fais ce que tu as envie, etc. Quand tu étais petite, tu savais exactement ce que tu voulais faire. Tu avais déjà une idée précise de l'adulte que tu avais envie de devenir, de comment tu te voyais dans le monde, ce genre de choses. Tu voulais faire quoi à l'époque? Moi, je voulais être footballeur. D'accord. Ouais. Je voulais être footballeur parce que... Pourquoi tu rigoles? Parce qu'à l'âge de 12 ans, mon rêve s'est arrêté. Parce que, oui, c'était pas... Parce que mais personne avant t'a dit footballeur? Non? Non, non, c'est footballeur. Moi, je voulais être footballeur. Tu voulais être gardien, en plus, je suppose. Non, j'étais super fort au foot. Je jouais très bien au foot, sauf que... ouais, j'étais super fort au foot, et sauf que j'étais petit de taille. Et à un moment donné, il y a un entraîneur du quartier qui m'avait joué, qui m'a dit, écoute, je joue super bien, mais je vais te faire jouer avec les 8 ans. Je dis, mais j'ai 12 ans. Il dit, oui, mais c'est pas grave, on s'en fout, viens. Et j'ai été jouer avec les 8 ans. Au début, j'étais un peu vexé. Mais quand j'ai mis mon premier but et que tout le monde m'adulait et tout, j'étais pris par la tricherie. J'en ai oublié la tricherie. Et un jour, en plein tournoi, je suis dit meilleur buteur et tout. J'ai 12 ans, je joue avec des mômes de 8 ans. Là, il y a un recruteur du PSG qui vient me voir, qui me dit, mon petit, je te trouve très fort. Je vais t'appeler, je vais parler avec tes parents. On va te ramener au PSG, au centre de formation, et on va te former. Moi, je sors de là, je suis super content. Je vais voir Pierre, qui est mon entraîneur. Je dis, Pierre, ça y est, je vais être pris au PSG. Il dit, non, mais il sait que tu t'appelles pas Driss et que t'as pas 8 ans. Je lui dis, non, il ne sait pas. Et quand le mec m'a appelé, je lui dis, écoutez, voilà, je vous dis la vérité, j'ai 12 ans. Il m'a dit, ah, bah, 12 ans, je suis what? Il m'a dit, comme ça, c'est un bébé. Donc, 12 ans, tu... Ma carrière s'est arrêtée à 12 ans. Et après, t'as envie de faire quoi? Après, j'ai envie d'aider mon papa. J'ai envie de me sentir responsable. J'ai envie de ramener de l'argent à la maison pour aider mon papa. Les deniers. Les quoi? Les deniers. C'est l'argent. C'est quoi, ça? Ben, c'est ce que t'es en train de dire. T'as ce souci de ramener de l'argent. D'aider mon papa. Ok. D'être responsable. Ouais, surtout ça. Alors, tu fais quoi pour ça? Ah, je fais ça, je fais des petits boulots. Je suis éducateur de rue, je vais à la fac, je prends la bourse. Ah ouais, non, mais j'étais pour la bourse, moi. Hein. Je suis resté 2 ans parce que je me suis dit, tant qu'on paye, je reste. T'étais à la fac de quoi? J'étais à la fac, à la Sorbonne, à Tolbiac. Mais en quoi? Bah, avec mes amis, j'allais... Comment non, ça, mais t'étais en... En jean? Non, mais comment ça? T'as fait quoi? Ah oui, j'ai fait économie et sociale, option gestion. Mais en fait, ce que disent Descartes, c'est un peu ce que tu racontes quand même. C'est vrai. T'as eu cette préoccupation très tôt de ramener de l'argent pour aider, etc. Et puis aussi de travailler, en fait. Ouais. T'as toujours travaillé, toi? Moi, j'ai toujours travaillé parce que je suis toujours parti d'un truc en me disant, en France, il faut avoir un trousseau de clés pour pouvoir ouvrir des portes. Et la première porte qui s'ouvre vraiment à moi, je fonce dedans. Ah ben, ça a été le théâtre. Voilà. Maintenant, on va regarder Boudère aujourd'hui. C'est qui, Boudère? Vas-y, 3 cartes. Putain, j'ai peur. Le pape. Je suis le pape. La croyance. Ah, oui. Le chariot, la réussite, le travail. Et le battleur. Ouais, c'est dingue, hein, ça revient tout le temps, le travail, en fait. Le fait que tu travailles beaucoup, le fait que tu sois tout le temps dans le travail. Le battleur, ouais. C'est celui qui travaille énormément. C'est l'artisan qui fait de ses mains aussi. C'est celui qui part de ce qu'il est pour produire ce qu'il fait. Eh ben, c'est ce que j'ai fait, moi, je produis mon spectacle. Et le pape, c'est celui qui croit. Et qui croit en qui? Qui croit en l'homme. Aussi. Qui croit en l'humanité. Ouais. Et cette carte, je trouve qu'elle te correspond assez. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'as... Les gens, pour toi, n'ont pas de couleur de peau, ni de religion, non, ni d'identité, ni de sexe. C'est des gens juste... C'est des gens, voilà. Et tu cherches à savoir... Le même sang que moi, surtout. Ouais. La même couleur de sang que moi. Voilà. Et ben, tu vois, c'est ce que disent les cartes, quand même. Il n'y a pas une carte où je vais gagner de l'oseille, hein, comme ça, non? Je sais pas. Ah. Alors, je lis dans les boules aussi, mais je crois que... qu'on me dit qu'on n'a pas le temps. Allez, laissons les boules en place et je te propose d'aller à la séquence suivante. Ah. Suis-moi, mon Boudère. Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? À rien! Dans cette enveloppe rouge, il y a un défi. Tu as le droit de refuser ce défi ou de l'accepter? Bah, faudrait d'abord le mettre dedans, le défi, il n'y a rien. Il est dedans, il est dedans. Ah oui, attendez. Ah, genre, quand vous avez des invités petits, vous leur donnez tout en petit? Alors, Boudère, es-tu habile de tes mains? C'est le moment de nous montrer des talents. Alors, attention, Boudère. Tu vas devoir réaliser en 2 minutes chrono, ouais, le dessin qu'il y a sur les fichettes. Oh, merde. Oh,
Pour ceci, tu auras évidemment de la pâte des couleurs que tu veux et différents accessoires. Et du shit. Et différents accessoires qui te permettront de modeler. Alors attendez, allez, celui-là, allez, vas-y. C'est non, attends. Je sais même pas c'est quoi. C'est un bilboquet. Non. Si. Mais il y a un café qui s'appelle le bilboquet. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ce truc-là. Ah, donc c'est ça, c'est un bilboquet. Eh, comment tu trouves? Regarde, c'est ça un bilboquet. Ah oui. Ça, tu mets la boule. Ah, tu l'as cassé. Non. Non, pour moi. Bon, tu rigoles. T'as cassé. En fait, tu laisses la boule au bout comme ça. Ouais. Et le but, c'est, hop, en sautant, tu mets le... Toi, il y a un trou en dessous. Ouais. Oh, la France va mal. La France va très, très mal. Nous sommes dans la merde. Ça, c'est des jeux que pour quand t'es en confinement. Et tu dois mettre comme ça. Je connais pas ce jeu, moi. Je vais te le mettre là, comme ça tu vas l'avoir en modèle devant toi. Ah, ok. Et donc, moi, je dois faire ça. Ouais. Mets déjà ta pâte. Commence à mettre ta pâte. On va tourner. Comment ça, ma pâte? Ah, la pâte. Ouais, je pense que tu parlais de ma main. Ah, et c'est ici. Ah oui, d'accord. On façonne. Voilà. Tu commences ta l'eau, tu sais, tu mets ta pâte de... Pose ta pâte là. Voilà. Tu commences à mouiller tes mains et tu vas venir. Ça va beaucoup trop vite, voilà. Et commence à façonner. Voilà. C'est bien. Voilà. Travaille-le. Sens bien, tu vois, sens bien. J'arrive. L'émission des vies. Oh là là. Mais ça tourne trop ce truc là. Ralentis-le. T'as une pédale. Ah. Maman, les... Non, mais Jari, tu me fais faire un truc, mais moi, je suis nul en ça. Rajoute-en. Attends, j'ai fait la boule. Voilà, fais la boule. Je peux salir l'eau? Oui. Je peux boire après? Alors, voilà la boule. Fais le tourner, ça va t'aider. Voilà. Non, là, t'es dans l'autre sens. Ah oui, voilà. Ah oui, donc là, j'accélère. Là, voilà, et là, ralentis. Oh, au bout d'une heure, elle a compris que le truc de la pédale. Super, continue, voilà. Fais le reste. Tu rigoles, mais ça ressemble, hein. Reste avec moi. Reste avec moi. Voilà, ça ressemble un peu. Allez, moi je te montre un peu comment. Attends, tu comment sais faire vraiment? Non. Bah, j'ai jamais essayé. Bah, je sais pas, je me dis que c'est faisable. Pas me salir. Merci. Ah bah là, j'ai les doigts qui sont bloqués dans le truc. Moi je suis désolé, ça. Bah, il a cassé mon bloqué là, je pense. Vraiment, j'ai les doigts qui sont pris dans la pâte. Alors, eh bien, avec Boudin, on va vous remercier. Merci à vous d'avoir assisté à ce désastre. Je te jure, je peux pas. Mais qu'est-ce que t'as? Les doigts sont pris dans la pâte. Ben enlève tes doigts de la pâte. Qu'est-ce qu'il y a? Les pompiers, faut venir maintenant. Hein. Comment tu m'expliquer ça? Merde, on a passé un bon moment avec vous tous. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, un nouvel invité. Ah, la chance. Évidemment, Boudère, on te retrouve partout en France, en Belgique, en Suisse. Partout. Et à Paris en ce moment. Et à Paris, allez sur mes réseaux, Instagram, voilà. Boudère, petit trait du bas officiel. Et puis... Le livre, on le trouve dans toutes les librairies, un petit Boudère. Exactement, voilà. Et sur les voitures, partout. Librairie, Amazon, toutes les... J'étais hyper content de te recevoir. Moi, je te laisse dans la merde. Hein. On vous embrasse fort, prenez soin de vous. Et je vais essayer de trouver un sens à tout ça. Oh ouais!